en Indonésie, tapis rouge et accueil protocolaire pour le chef de la junte birmane. Le général Min Aung Hlaing, invité par les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est pour tenter de trouver une issue à la crise qui s'aggrave en Birmanie. Le président indonésien l'a aussitôt appelé à mettre fin aux violences et réclame le retour de la démocratie. L'armée s'est emparée du pouvoir lors d'un coup d'État le 1er février dernier, renversant le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Les manifestations quasi quotidiennes sont réprimées par la force. À ce jour, plus de 730 civils ont été tués et près de 250 000 personnes ont fui les troubles. La venue du général birman à Jakarta a déclenché la colère des défenseurs des droits de l'homme. Ils dénoncent l'absence des représentants de l'opposition birmane à cette réunion de crise. Amnesty International appelle l'Indonésie à engager des poursuites contre les membres de la junte militaire. Plusieurs personnalités appellent l'ASEAN à expulser la Birmanie, mais l'organisation fondée sur le consensus et la non-ingérence ne devrait pas annoncer une mesure aussi drastique. Itu adalah aklaim tidak mencerminkan dari aparat